Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Spyro 2. Très content de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Et donc, on a 2-3 choses à faire aujourd'hui. Aïe, déjà ne pas foncer sur le PNJ. Oh le con, il m'a flingué mon truc. Laisse-moi. Ah et du coup il m'a enlevé le pouvoir. Ok, bon j'ai voulu aller un peu trop vite, c'est pas grave. Pourtant, pour parler c'est triangle et pour charger c'est carré. Mais bon, c'est pas grave. Allez, donc on a une dernière boule à récupérer. Et pour ce faire, il faut exploser des drapeaux. Voilà, comme ceci, parfait. On a accès du coup à un PNJ. Alors, Dragon, tu veux vraiment t'emparer de ces drapeaux, hein? Voyons voir qui est le plus fort à ce jeu. Alors, Dragon, oui, on veut récupérer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le suivre en évitant, voilà, ces boules qui sont balancées de manière... Et bâtard. Qui sont balancées de manière aléatoire et plusieurs choses de chiantes. Les boules... Il les lance de manière random et voilà, comme ceci, et elles rebondissent. Donc, c'est un petit peu relou. On va essayer quand même de pas se faire avoir. Voilà, et ça rebondit. Allez, reste pas bloqué, on est bon, et ça rebondit, on est toujours bon. Oh, elle est pas passée loin, celle-là. Ok. Ouh. Bravo! Mais il reste encore 2 drapeaux! Ok, je sais, et ouais, ils aiment bien répéter les choses. Alors c'est ça qui est un peu relou, c'est que du coup, comme je vous l'ai déjà dit, hein, sur certaines boules comme ça, il y a des choses qui sont répétées. Et c'est un peu dommage parce que bah là, typiquement, bon voilà, on le fait une fois, deux fois, why not? Et là, il faut le faire une troisième fois. Et au bout d'un moment, bah on a compris le principe. Hein. Donc on va péter ça tout de suite. Merde, je suis trop loin. Vite. Putain, j'arrive pas à tourner la caméra. Ah ! Non, c'est mort. Je dois recommencer. Allez, on va rechercher le pouvoir. C'est pas grave. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour récupérer du coup les joyaux. Donc là, il y a des joyaux à récupérer avec ce coffre-là qu'on n'avait pas pu péter au début. Et ensuite, bah, rebolote le drapeau. Donc je pense que l'idéal pour les drapeaux, ce serait très certainement... de se situer en hauteur, genre par exemple ici ou l'autre. Ok, sauf que là j'ai pas de visée. Et on est à 320 joyaux. Ouais, il manque des joyaux, ouais. Je sais pas où ils sont ceux qui manquent. J'ai dû rater un petit passage quelque part. On verra ça après, parce que de toute manière, comme il va falloir suivre notre ami, il y a peut-être moyen du coup de reprendre le passage qu'il me manque. En tout cas, on se dépêche. Et après, il faut le faire une troisième fois. Et voilà, c'est toujours le même principe, sauf qu'il y a de plus en plus de chemin à faire, de plus en plus de boules qui rebondissent de partout. Voilà, côté un peu chiant. Allez, on y va, on sait que cette fois-ci on se met plus haut dès le début, et en plus on n'a pas besoin cette fois-ci d'enclencher et de péter le coffre vu que c'est déjà fait. Donc on va essayer dès maintenant de bien se placer un minimum en hauteur pour avoir le drapeau. C'est le but de la manœuvre. Et là je pense que ici on devrait être pas trop mal. L'avantage c'est qu'une fois qu'il tombe du drapeau, même si vous ratez, on peut recommencer la séquence sans retourner chercher la boule de feu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Non, je n'abandonne pas encore. Allez, vas-y, c'est parti. Donc on va essayer de le feinter, genre je suis à gauche, en fait non je suis à droite. Et là il a balancé à droite, donc la feinte tout est relatif. Ok, attention ça rebondit. Ok. Je me suis feinté, j'allais dire. Ah, l'enfoiré! Et voilà, la petite boule. Mais je me suis feinté tout seul. Hein. Ah. En plein dans la gueule, merci. Donc, ouais, effectivement, si je me feinte moi-même. Encore? Putain, t'es relou, toi. Hein. Allez, on y va. On va rester à gauche. Ok, j'ai réussi à l'esquiver cette fois-ci. Hop. Attention. Ok. Ça passe. Alors attention, parce que la boule là, elle est restée en chemin. Là, la caméra, elle est pas bonne du tout.
Ok, c'est bon, on l'a eu. Cool. Bon, deuxième drapeau. Tu y es presque, Spiro. Allez. Allez, un dernier effort. Et oui, rebelote. Jamais 203, comme on dit. Et là, normalement, je crois qu'il y a des petites poussières quelque part. Je sais plus où elles sont, par contre. Pour pouvoir grimper. Ah. Je sais plus où il y a les petites poussières. Il y a un moment donné où il y a moyen de feinter avec des petites poussières pour pouvoir grimper sans refaire tout le chemin. Je sais plus. Parce que vous avez vu un peu la barre de boule de feu où elle en est là. Ouais, j'ai jamais avoir le temps. Il est où le drapeau? Il était ici ou pas? Ah, attendez, on va rechecker tranquillou par contre. Ouais, le drapeau était ici, donc j'avais le temps. Par contre, il y a moyen de feinter. Ah bah tiens, c'est là tous les trucs qui manquent, ils sont là-bas. Ah, ok, donc c'est bien ce que je me disais. Il me manquait quand même quelques joyaux. Hein. Il me manquait quand même quelques joyaux. Par contre, pour y accéder, par où j'y accède déjà? Parce que une fois qu'on a débloqué entre guillemets le chemin en haut, il y a moyen d'y aller plus rapidement et on a des petites poussières d'étoiles là, de débloquer quelque part. Ah, c'est ici. C'est ici, c'est ici. Donc c'est ici qu'il faut aller. Et l'avantage, c'est que ça permet de gagner énormément de temps pour pouvoir aller péter les drapeaux. C'est pas grave. C'est pas grave, ça nous permet de prendre notre temps. Aïe. Pour récupérer les derniers joyaux qu'il nous manque. Ok, tac, 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 tac. Vas-y, récupère tout. Je me demande même si je pourrais pas viser le drapeau d'ici pour pas m'embêter tout à l'heure. On va voir après, hein. On va déjà tout récupérer en espérant qu'on arrive à 100%. Yes, on est à 100. Ok. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. On est arrivé à fond sur ce qui nous manquait. Touk. Voilà, on va pouvoir redéclencher la course. Et puis, c'est la dernière étape. Hein. Et du coup, on aura nos 100% sur ce niveau. Ça, ça va faire du bien quand même. Hein. Ça va faire du bien. Bon, on a été assez vite sur ce niveau-là tout de même. On a quand même bien réussi à avancer, ce qui fait plaise. Allez, c'est parti. Donc là, on fait ça. Ok, et ici, hop. Voilà, on feintouille. On vient juste ici. Et normalement, si je fais ça... Voilà. Bim. Donc là, j'ai largement, mais largement, largement le temps d'ajuster mon tir... Et d'aller le voir plutôt que de faire tout le tour. Alors vous avez vu tout à l'heure quand j'ai foiré mon coup. Ne décéderai pas mon dernier drapeau si facilement, petit monstre. Petit monstre. Donc ouais, j'avais quand même le temps tout à l'heure. Hein. Je me suis un petit peu perdu. Je savais plus trop où regarder concernant le drapeau. Attends, esquive ça. Attention, ça revient. Voilà. Mais j'avais le temps tout à l'heure. Je pense que j'avais le temps en le faisant à l'ancienne, j'ai envie de dire. Hein. Oh. Et merde, j'ai foncé dedans. J'ai pas réussi à redresser. Allez, allez. Dernière phase. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Voilà. Où est-ce que tu vas le lancer? Ok. Ok. Là, je vois rien. Ok, on est bon, on est bon. Ça marche. Attention ici à l'angle mort. J'ai failli me le prendre. Ah, je me suis pris juste à la fin. Saloperie. Le problème, c'est quand vous courez comme ça, c'est pas facile de changer les caméras en même temps. Parce que pour le feinter, j'ai l'impression que faire des... Je vais me le prendre. Et ouais, j'étais mal parti. J'étais mal parti. Allez, c'est la dernière phase avant d'avoir la boule, là. Voilà, on va sautiller un petit peu comme ça. Ok, là, il balance à gauche. Ah, allez, 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 allez. Et les boules restent au sol en fait, hein. L'autre, je la voyais, elle était toujours au sol. Non! Oh, vous avez vu comment il a essayé de me feinter? Oh non, t'es sérieux? Là, franchement, celle-ci était. Je pouvais pas l'esquiver, quoi. Je pouvais pas l'esquiver. En plein dans la face. Donc là, ça va. Là, ici. Ok, là ça va. Ça s'esquive facile. Voilà. Non. Ok, easy. Là aussi. Attention. Ah merde. Merde, 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 merde. Allez, 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 on tient le bon. Ah, purée, encore. Ah. Tu es... Oh, oh.
Tu es galère quand même, hein, tu es galère. Bon, ça je vous l'avais dit, hein, c'est une phase un petit peu chiante, un peu relou, un peu répétitif, malheureusement. Ok, donc là ça se passe plutôt bien. C'est généralement vers la fin. Allez, 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 allez. Ok, attention. Ouh, attention. C'est pas le moment. Non, c'était la fin, quoi. Je sautais juste l'autre escalier et c'était bon. Ah, tu es chiant, mec. Tu es chiant. C'est tellement random, son truc, en plus. Et en plus, comme ça rebondit, c'est très difficile de prévoir la trajectoire ou quoi que ce soit. Aïe, je suis tombé. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et voilà, et parce que... Ah, il faut absolument que j'arrive à l'avoir vraiment dans la lancée. Hein. Sinon, c'est dangereux. Alors... Logiquement, vous pouvez un peu, entre guillemets, prendre votre temps pour essayer de les esquiver. C'est un peu plus dur, je trouve. Parce que... Allez. Allez. Parce que voilà. Ouais, voilà. Vous avez vu, en plein dans la gueule. Hein. Et pourtant, normalement, j'avais le temps de l'esquiver. Et le problème, c'est quand on commence un petit peu comme ça à se bloquer, ça devient un peu plus galère, je trouve. Alors qu'en chargeant, je sais pas, ça me paraît plus simple. Hein. Peut-être que du coup, si vous avez fait le jeu, vous l'avez fait différemment. Voilà. Oh, attention au petit rebond. Là, ça va. T'as, ici, j'ai du mal, j'arrive pas à le sauter directement, le truc, en fait. Oh, putain, mais... T'as le problème, c'est qu'il a lancé à l'endroit où j'atterris, quoi. Ah. Allez, on rage pas, on y va tranquille, ça va passer. Mais ce genre de phase de jeu, malheureusement... Ah, putain. Ce genre de phase de jeu, malheureusement, quand on l'a fait une fois, deux fois, comme on a fait au début, et là, il faut réussir à le rebattre une troisième fois. Bon, au bout d'un moment, ça va, on connaît... T'as décidément... Au bout d'un moment, voilà, on connaît un peu le truc, il n'y a plus trop d'amusement, on n'est plus sur du tryhard, c'est un peu dommage. Ça, c'est vraiment un peu le côté chiant, je trouve, du jeu. C'est comme quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais qu'il va falloir que je fasse... Oh putain, je peux pas l'esquiver, quoi, fait chier. Allez, il y a un autre truc qu'il faut que je fasse qui est vraiment chiant aussi, c'est toutes les sessions de vol que l'on a pu faire ensemble, on les a faites, généralement il y a des petits défis avec chasseur pour pouvoir obtenir, elle a bien rebondi en plein dans ma face, pour pouvoir obtenir les boules, et ça me paraissait suffisant en fait, si vous voulez, ça me paraissait... Vous avez vu comment il a anticipé? Sérieusement, je pouvais pas l'éviter quoi. Donc ouais, ça me paraissait suffisant déjà la phase de... Ah mais... Allez là. Allez. Les phases de vol, plus la phase avec chasseur pour obtenir les boules et tout. Tout ça me paraissait largement suffisant. Et ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, on est obligé de les recommencer avec un timing beaucoup plus serré pour pouvoir obtenir donc ces fameux points d'aptitude. Et c'est un peu dommage parce que ça oblige en fait un peu à rester sur des endroits... Un petit peu à... Ouais, c'est pas farmé, mais à tryhard un peu comme un cochon. Et au bout d'un moment, le truc perd vachement d'intérêt, je trouve. C'est vraiment dommage, en fait, qu'ils l'ont fait comme ça. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu le... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le défaut de ce jeu. C'est ces phases-là. Mais toi, compie avant, Spiro. Comment pouvons-nous te récompenser? Veux-tu cette boule que j'ai trouvée dans le sable? Allez, fais péter. Allez, t'es galère à avoir. Voilà, merci. Bon, on peut se barrer, on est bon. Voilà, on est à 100%. Cassos. Et merde, c'est pas ici la fin. C'est ici, allez, on se barre. Donc ouais, c'est vraiment dommage ces phases tryhard comme ça, parce qu'à un moment donné, je trouve que ça ajoute pas forcément... Alors si, ça ajoute du challenge, hein, bien évidemment. Mais... Quand on dépasse un peu le côté un tout petit peu amusement, ça devient un peu relou du coup. What? Attends, mais il aurait arrivé quoi, là? Je sais pas ce qu'il aurait arrivé, mais... Il faisait un peu flipper, tout de même. Allez, on continue. Passons à autre chose. Tant pis, hein, pour les fast tryhard. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Même si, pour moi, ça apporte pas... Bien joué, Spiro. Enfin... Grâce aux 14 talismans, ton carnet peut briser le verrou de la porte et tu pourras affronter Gulp. Et tu cool. Bah, écoute, vas-y, ouais, vas-y, on y va direct. Tu dois sauter dans...
Ah, j'ai un peu passé la discussion, dommage. Alors, j'ai apprivoisé quelques ptérodactyles du pays maudit Skellos. Ils lâcheront des objets qui te serviront à combattre Gulp. Ok. Bah écoute, allons-y, hein, moi je suis chaud patate. Tic. Donc, du coup, boss. Nouveau boss, Gulp. Et donc là, il y a deux points d'aptitude à obtenir. Finalement, Avalar nous appartient. Tu mérites une petite réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la fée. La voilà. Tu as reçu ma cape. Tu commences sérieusement à me taper sur le système, dragon. Adieu, espèce de barbecue volant! À table! Quel... Écrase-le, je te promets un buffet de fées à volonté! Je sens que je vais bien rigoler! Ok, donc... Nouveau boss, Gulp, et donc comme je disais, deux points d'aptitude à obtenir dans ce niveau, enfin dans ce combat. Il y a un point d'aptitude qui consiste à tuer le boss sans se faire toucher, exactement comme pour le premier boss. Hein, on est encore sur du tryhard, hein, mais c'est comme ça. Et ensuite, deuxième point d'aptitude qui consiste à un moment donné... Je me suis fait toucher. Non, je sais pas. Peu importe. Et donc le deuxième point d'aptitude... Ah bah si, je me suis fait toucher. Super. Et le deuxième point d'aptitude, pour l'obtenir, il faut envoyer une roquette sur le boss qui est là-bas, sur son trône. Et je peux vous dire que le timing est serré pour le faire. Le timing est serré. Tiens, on va essayer tout de même. Aïe. Elle est où la roquette? Ah, je l'ai pas... Non, je l'ai pas eu. Ah, bon, laisse tomber. Je crois qu'on va pas... Oh là, on va pas se prendre la tête. Le timing est très serré, encore une fois. Hein, si vous voulez lancer la roquette sur le boss, on va essayer. Hein. Non, je suis pas en face de lui. Je me suis encore fait toucher. Ça sent pas très bon, par contre. Hein. Hop. Et bah je suis mort. Oh purée, je suis mort. Bon, bah, ça va être tendu cette histoire. Bref, vous l'avez compris, à la limite, dans le pire des cas, là le but du jeu c'est de vous montrer le combat contre le boss. Hein. Et au pire, le point d'aptitude, j'irai... Je ferai ce qu'il faut pour le récupérer. Donc, plusieurs manières de le toucher. On charge les barils, comme ceci. On se met devant et on lui envoie les roquettes quand on les obtient. Et le plus chiant, ce sont les bombes. Il faut souffler dessus pour les allumer. Sachant que, voilà, elles ne pètent pas tout de suite. Et lui, peut se déplacer. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, bon, voilà, là, je l'ai déjà touché deux fois. Parfait. Et après, encore une fois, hein, si le timing s'y prête, sachant que vous avez une fenêtre de tir qui est très, très, très réduite, vous avez la possibilité... Voilà, c'est bon, je l'ai... Je crois que je l'ai eu, ouais, mais je me suis touché. Mais la fenêtre de tir est très réduite, vous pouvez envoyer du coup une roquette sur le Mister, sur son trône. Hop. Voilà, parfait. De temps en temps, il y a des petits poulets qui nous permettent de récupérer de la vie. Là, pour l'instant, j'en vois pas. Vas-y, c'est quoi l'œuf, là? Ah, je vais pas pouvoir aller le récupérer, il est à côté du boss, quoi. Tiens, ouais non. Donc vous avez vu là par exemple, bon il était un peu trop à côté. Hein. Mais en plus de ça, ça pète direct. Tiens, aïe. Ok, je l'ai eu mais je me suis fait toucher, ça pue. Vas-y, envoie tes boules. Alors tac, tac. Ok, vas-y, vas-y, récupère la roquette. Non, mais t'es sérieux. L'épisode maudit, quoi. Non, mais franchement... Oh, merde. Bon, là, c'est moi qui ai joué au coup. Épisode maudit. Épisode maudit. Bon, en même temps, ce boss-là est assez balèze, quand même, hein, ceci dit. Hein. Je vous préviens, c'est vrai qu'il est quand même... Aïe. Il est quand même assez balèze. Il est quand même assez balèze. On va essayer... Je pense qu'il faut... Enfin, c'est même pas je pense, c'est... Il faut prendre son temps. Voilà.
On va pas rusher. On va prendre notre temps, tranquillou. Non, ça je l'ai pas du tout envoyé où il fallait. Il a quand même réussi à m'avoir, donc il a un petit peu anticipé ma trajectoire. Non, c'est bon, là il a pas anticipé. Est-ce qu'il y a un petit poulet dans les parages? Non, j'en vois pas. Vas-y, balance. Voilà, parfait. Ok, là il y a un petit missile que je n'ai pas eu. Allez. Ok, là cette fois-ci je l'ai eu. Ok, il y a un poulet. On va le rusher, le poulet. On va le rusher. Et il n'y a plus de poulet. Oh là là, il n'y a plus de poulet. Bon, la charge n'est pas trop compliquée à esquiver. Ça va encore. Vas-y, la roquette, ça c'est bien ça. Sauf quand on se prend le boss. Ah, et comme il m'a touché, du coup la roquette ne fait plus effet. Pas cool. Non, attention. Ah, le poulet, il est là. Voilà, salut poulet. Ok. Tiens, la bombe, je suis pas fan. Ouais, bon, complètement à côté. Elle est pas facile, hein. Pas facile à gérer, la bombe. Vas-y, dis-moi qu'ici, il y a un truc. Bon, c'est pas grave. Le poulet, je prends. Encore un poulet. Ok. Viens par ici. Je l'ai eu. Ouais. Ah là 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 là. Ah. Galère. Galère. Je suis pas sûr que ce soit... Non. Ah, quoique. Yes, je l'ai eu. Bon. C'est sérieux là, je me suis fait toucher. Ouais. Bon, pour le faire sans perdre, sans se faire toucher une seule fois, vous allez devoir tryhard un peu. Allez, démarre, putain. Oh là là, putain, mais t'es pas sérieux. Oh là là. Voilà, la bombe en plein dans le vide. Ah, cette galère. Il a encore plein de vie. Hein. Vas-y, vas-y, fais péter. Je sais pas. Je suis pas sûr de l'avoir eu pour le coup. Vraiment pas sûr. Ok, nice. Ok, allez, vas-y, charge, fais, je sais pas ce que tu veux faire. Non, il a bouffé une des bombes. Ah, il faut que je récupère la roquette. Il faut que je récupère la roquette. Non! Ouais, laisse tomber, hein. C'est chaud, c'est chaud. Généralement, les roquettes, j'ai remarqué qu'ils rushent pas mal, hein, pour les récupérer à ma place. Hein. Alors, tac, tac, et tac. Vas-y, vas-y. Ouais, d'accord. Bon, je l'ai touché, mais je crois que je me suis fait toucher au passage. C'est pas super rentable, hein. Très clairement. Ah, dommage, j'aurais bien récupéré le truc, là. Je suis pas sûr de le toucher. Ouais, je l'ai touché. Vas-y. Récupère le poupoule. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 boules. Allez. Alors ça, c'est un peu chiant à récupérer. À esquiver. Parce que... Il anticipe pas mal... Hop, 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 hop. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Il anticipe pas mal les mouvements hein, quand il balance ses boules pourries. Donc là, ok. Là, je bouge pas. Ok. Et là, je bouge pas. Ah, j'ai peut-être trouvé la technique, en gros. Une fois sur deux, je bouge pas, en fait. Oh. T'es sérieux? J'ai chargé le truc. Oh non. Oh non. 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 Mais non! Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? J'y crois pas. Oh là là! Ok, allez. Donc hop, je bouge pas. Ok, c'est bon. Au final, ces grosses boules là, ça y est, j'ai trouvé le pattern pour pouvoir l'esquiver. Donc là, tac. Je me suis quand même fait toucher, hein, franchement. Vas-y, barre-toi. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le toucher encore une fois. Ah, le problème, c'est que les œufs qui ont été lâchés, du coup, bah, ils donnent que quick. Hein. Ok. Vas-y, là, il y a un œuf. Vas-y, vas-y. Je le sens bien, celui-là. Je le sens bien. Ouais, mais le problème, c'est que... Non, c'est bon, il m'a pas touché. Quoique, j'ai un doute, quand même.
J'ai quand même un petit doute. Bim! Ok, c'est bon. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Hein. Bon, vivement qu'il y ait quand même un petit poulet ou deux qui reviennent, histoire de d'être un petit peu plus large. Ça fera pas de mal. À la limite, en gros, ici, le plus simple, c'est de faire un peu en mode ping-pong. Hein, pour quand il balance ses boules, en fait. Un coup à gauche, un coup à droite. Vraiment en mode ping-pong pour esquiver ces trucs. Mais vous avez vu le timing, là, pour pouvoir balancer une roquette derrière, là? Elle est chaude, hein. Elle est tendue à envoyer, celle-là, hein. Mais bon, voilà, ça vous permet d'avoir un point d'aptitude tout de même. Hein. Donc c'est important. Tiens, vas-y, balance ça. Je l'ai pas eu. Et je l'ai pas eu non plus, j'ai pas l'impression. Donc, ok. Oh là là. Non, 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 vas-y, laisse ça, tiens. Voilà, en plein dans les chicots. Allez, cette fois-ci, on te tient. On va la voir. Bon, il y a un grand écart avec le premier boss que l'on a battu, hein. Ça n'a rien à voir. Le premier boss était quand même beaucoup plus easy peasy. Voilà, elle est bien la petite roquette quand même, hein. Elle est quand même pas mal. Il n'y a pas besoin de se rapprocher, hein, pour balancer la roquette. Il suffit de la balancer tranquille. Et là, il faut que j'arrive à... Ah! Mais le problème, c'est que j'ai... là, typiquement, j'ai pas eu le temps de récupérer le bonus. Il m'a rushé direct, en fait, hein. Ok, je l'ai eu. Nice. Donc là, il pète tous mes bonus. Allez. Hop. Vas-y, ping-pong. Mate ça. Ping-pong. Oh, je t'ai feinté. là, par contre, il va me charger. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Tiens. Je crois, je suis pas sûr, je crois que je l'ai touché. Le problème, c'est que je me suis fait toucher aussi, en fait. Hein. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ok, ping-pong. Oh, je l'ai raté. Oh, fucking damned. Tiens. Vas-y, pète, pète. Oh là là, ça a été chaud, ça a été chaud, ça a été chaud. Donc, bien évidemment, aucun des points d'aptitude de récupérer, hein, que ce soit celui de qui consiste à faire le boss sans se faire toucher ou l'autre. Donc, ça fait chier. Par contre, pour pouvoir récupérer les points d'aptitude, il va falloir que j'y aille, hein. Ça va être tendu. Hein. Et Laura ? Mais dis donc, d'où est-ce que tu viens ? J'arrive juste des plaines automnales entourant le château. Le château a été libéré et Ripto a disparu sans laisser de traces. Et grâce à ton aide, les habitants d'Avalar s'entendent de nouveau à merveille. Pour te remercier de tout ce que tu as fait pour Avalar, et parce que tu rêves tant de partir en vacances, on a voulu te faire plaisir. Ce n'est pas grand-chose, mais on espère que ça te plaira. Waouh, c'est super. Tu restes un peu ? Une chaise longue. J'aimerais bien, mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale. Il est encore en train de réparer le super portail pour qu'on puisse te renvoyer chez toi. Oh, c'est intéressant. Je vais seulement m'allonger un instant, profiter du soleil. Hein ? Où est partie Elora ? Je t'aime mieux de la suivre. Dans toundra hivernale. Ok. Je pense finalement savoir comment accéder au monde du dragon à travers le super portail. Le cristal magique nous donnera un coup de pouce. Encore quelques petits calculs pour le configurer. Je crois que ça y est. Excellent! Tout est prêt maintenant. Il nous faudra davantage de boules. Mais grâce au cristal, le super portail devrait fonctionner. J'ai persuadé le gros bateau de gros sous de me vendre quelques bombes. Vite, le cristal magique! N'y pense même pas, rat de bibliothèque, où tu vas devenir le tas de sang le plus érudit du monde! Ah, c'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau sceptre. Chasseur, fais quelque chose! Vite! Hé, toi! Rends-le tout de suite! Bah, j'ai essayé, quoi. Très efficace. Bande de larves! Quand je vous aurai anéanti à l'aide de mon nouveau sceptre, je renommerai cet endroit Ritonia!
Bon, bah, le dernier boss, il est pas mort, hein? En même temps, on avait battu son petit clébard, pas lui en direct. Et tous les talismans sont en notre possession, maintenant il faut aller récupérer les boules, c'est ça la prochaine étape du jeu. Ceci dit, on a déjà une très très grosse quantité de boules, donc ça devrait pouvoir aller. Bref, en tout cas, on va se quitter là pour l'épisode du jour, qui nous aura donné quelques sueurs froides. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, ciao ciao !